Voilà, moi pense que là, on a privé dans dernière possibilité ou dernière vidéo sur propriété CSSO avant nous commencer le projet noir. Immédiatement, fin regarder dernière vidéo ça, ou mettre aller cliquer sur nos chaînes moyens qui c'est des Google Informatique, aller dans playlist, ou rejoindre une playlist qui est le projet web ou bien projet site web. On va regarder comme ça. Entre deux, ça va venir. Laisse ça. Ce site, nous allons développer ensemble. Ou pas regarder vidéo. Ou pas développer ensemble. Chaque code, moi, fin faire. M'a quitté code, moi, fin développer. À code, moi, même, moi, qui m'explique. Voilà, m'a quitté. Comme chose pour vous. À apprendre. Ou même pour appliquer. À côté pas. Ou mettre le goût. D'accord? Super. Maintenant, on a là. Soit ça. Qui ça me gagne? Moi, gagne plutôt, moi, gagne. Yon page HTML qui gagne un tableau là-dedans. Ok? Tableau. Parti ça en commentaire. Nous, en commentaire, comme moi, t'ai expliqué. Ça qui est en commentaire va paraître. C'est parti formulaire, moi, t'ai expliqué. C'est dans la même page là. Mais il va paraître. Et là, tout, nous gagne CSS seulement qui pour parti tableau. Ok? C'est lui qui va l'expliquer. Voilà. Maintenant, nous gagne même div comme conteneur nous. Il gagne un div qui est le div classe. Div table là-dedans. Table. Nous avons table qui c'est comme ça pour nous créer un tableau en HTML avec un balise table. Nous avons petit head qui veut dire en tête tableau là, qui gagne une seule ligne. L'aime dit une seule ligne, c'est TR, nous songez ça. Et il y a petit h, titre tableau qui c'est trois titres. Et ligne en fermé, petit head fermé, ça veut dire tête tableau fermé. Petit body qui veut dire quoi tableau là, il y a deux lignes là-dedans. En dans chaque ligne, il y a trois TD, ça veut dire trois cellules qui gagne quelque chose. Et il y a un petit foot, ça veut dire pied tableau. Il y a une seule ligne dans qui a trois cellules. Ok? On regarde ça, qui ça s'abaille dans le browser noir. Jusqu'à maintenant, nous avons ça dans le browser noir. Si nous faisons un petit zoom, pour nous voir bien, qui est là. Jusqu'à présent, nous avons ça. Ticho, trois ticho. Quatre tableaux qui a deux lignes, deux premières lignes, avec le texte, de le premier à le sixième. Et puis, nous gagnons footy foot là, qui c'est dernière ligne tableau, pied tableau, qui gagne seulement ligne ça. Bon. Sans aucun style là, on nous mette style là-dedans, on regarde qui ça le bail. Nous sauvegarder page style nous, nous actualiser, et bah, il y a un résultat. Ok? Ça c'est le résultat. Super. Ça c'est le résultat nous gagnons. On nous a là. Premier bagage, on nous a expliqué code CSS nous gagnons par rapport avec le résultat. Ok, bah les résultats parce que la débordé, n'a pas compris qui ça fait le débordé, mais pas inquiéter nous. M'a expliqué nous ça fait le débordé tout à l'heure comme ça. T'as seulement faut que mon petit temps pour expliquer nous quelque chose qui on peut expliquer nous jusqu'à présent. Ok, moi après du chose ça tout pour gagner là. Et là si moi passe tout de la même bord pour gagner seulement des comme ok voilà. Non, code c'est HTML moi moi gagne div conteneur ça c'est lui qui gagne mon nom qui gagne toute l'autre chose en dedans moins relève moins bali oh lolo parce que je ne pas appliquer aucun style pour lui directement non on pas appliquer aucun style sur conteneur ok conteneur on pas appliquer aucun style sur lui on quitte avec style qu'il a déjà qui c'est en l'air là l'aime taf stylisé formulaire on dégaine ça pas vrai tout reste style ça c'est pour formulaire ok. Style par tableau a commencé à partir de là. Côté nous, moi, j'ai commenté ça qui marque table. Et ma, même mettons bagaille devant pour nous comprendre, pour nous carrer plus bien. Mettez des choses devant comme ça. Ok? À partir de ligne ça, tout style qui est en bas là, c'est pour, choses nommées dit, c'est pour tableau. Ok? Super. Maintenant, conteneur, qui un style par lequel nous en l'air. 40% nous après qu'on a changé mettez le 40% c'est 30 d'abord on va vous expliquer conteneur div table qui c'est div qui est tableau là dedans nous qui ça me balle 96% de large conteneur il me balle un padding de 2% sur toute bolle pour qui ça me balle 96% ça faut nous bien expliquer mais comment dire il y a un élément par an gain 100% de large donc qu'on a super baillon petit il y a un large sous pas le bail petit, li largeur, ou bien li même, ou pas jouer sous largeur. T'as comme t'as dit, élément parent là, qui c'est div table,
qui c'est div qui gagne un tableau en dedans. Si m'a bay div table largeur, m'a li gagne 100% largeur. Koun ya si m'a mette padding avec margin, faut que m'en réparti 100% ça en plusieurs morceaux. Tant coup, si m'a 100% de largeur après ça me dit padding 2%, qui ça va le dire. Là mette padding 2% à gauche, 2% à droite. L'homme est 2% plus 2% de 4%. L'ervin bal lâche 100%, la vin fait 104%. Ça va le faire qui ça? Ça va le faire que l'y déborde. Bon, montrez-nous ça. M'en retirer lâche 80%, 96%, mettez 100%. Et qu'on y a bal actualiser. Si m'pèse F5 pour m'actualiser. Et là, nous, par rapport avec élément ça, qui c'est élément parent, l'y déborde. Nous, l'y gagne parti. Si m'en fait ça, nous, comment l'y déborde? L'y déborde l'y quitte élément parent de, pour qui ça? Parce que, moi, non seulement m'gait en bal 100% de l'argent, ça veut dire faire tout 100%, après ça m'vin balé par le digne de 4%, 2% à gauche, 2% à droite, 2% en l'air en bas, pas influencé sous l'argent, pas influencé sous hauteur, ok? Mais, pour l'argent, nous vin gagne 4, ça veut dire, nous devons réduire dans 100%, mettez la 96, parce que, nous vin balé, nous utiliser 4% dans pourcentage là, pour pas digne. Ok? Ça m'pensez, nous comprenons. Voilà. Il tourne dans normal. Maintenant, nous ballons hauteur de 300%. Si c'est div là, nous allons arriver jusque là. Ok, arriver jusque là. Tableau arrivé là, mais lui même arrivé jusque là. C'est fond blanc, ça nous regarde. Ok, background blanc, nous guettons ça. Border radius, c'est parce que si ça est arrondi, nous t'envoyons ça d'où. Et margin 0, auto, c'est pour le cas centré. Mais comme l'élément parent, il prend toute la gel, ça fait nous pas même centre là. Ça veut dire que ça n'a pas même nécessaire. L'in, ça n'a pas même nécessaire. N'a pas retiré. Nous quittons le menu qu'a retiré, ok? Text et line center, ça veut dire pour le centrer tout texte qu'il a dans. C'est ça fait nous être situé centré, ça est au centré, ça est au centré, tout en bas centré. Voilà. Et, maintenant, nous avons les conteneurs div table, table. Ça veut dire qui ça? C'est conteneur, div conteneur, les gens ont div rire, div table là-dedans, n'a pas ciblé qu'on y a table là. Balise table là. Nous dit border collapse, collapse. Bon, m'expliquez-nous ça. Border collapse, ça veut dire pour border au collé. N'après si m'pat mettel, bon retirer le bon noué. Voilà, là. Si m'pat mettel et puis m'actualiser. M'actualiser page main. On réduit zoom non. M'akon si m'en pat mettel, m'en sauvegarder. Et m'en actualiser page là. Voilà. Si augmenter zoom là encore pour nous. Nous là, nous border séparé. Toutes cellules séparées entre eux. Il y a un espace entre eux. Pour nous faire cellules rester collées, nous obligé utiliser propriété CSS ça qui c'est border collapse. Il prend plusieurs valeurs, il prend collapse comme valeur. Ça veut dire coller border yo. Ou tu peux mettre séparer tout qui c'est par qui c'est comportement par défaut, qui c'est Jean Noël là, tout séparé là, séparé anti morceau. C'est lui qui c'est séparé. Sous pas mettre elle il prend comportement par défaut ça, il tout séparé. Mais qu'on y a si ou même besoin coller ou mettez collapse. OK? Si on réactualise page moyen, après, yo collé. Border yo collé. Voilà. Hauteur, c'est pour hauteur tableau. Nous ballons hauteur 200 pixels. Nous gagnons hauteur ça là. Ça veut dire, là, nous de hauteur, c'est depuis là, arrivé en bas ici. Ok? Ça, c'est pour tableau. C'est pas pour cellule. Ok? Cellule gagne hauteur par yo, automatiquement. Mais pour tableau, elle gagne hauteur 200 pixels. Li gagne largeur de 100%. Bagaille qui gagne, non? Ce qui c'est div table là. Ce qui c'est parent. Hein? Li gagne font size de 20 pixels, ça dit, grosseur écriture, ça, c'est 20 pixels. Dans la fin de vidéo, je vais vous expliquer nos pixels, différence, je vais appliquer pixels dans la largeur pour montrer nos différences avec pourcentage. Ok? Dans table, dans div table, là, il y a une table, il y a une balise table, et dans la balise table, là, il y a des balises TD, c'est eux nous ciblés là, nous dit pour mettre texte sur center. Bah, quoi, bah, mettez ça déjà. Voilà. Là, text center est déjà sous div qui gagne un tableau. Si me retire là, j'ai l'impression pas faire trop de différence. Bon, m'essayer parce que pourtant ça qu'arrive, il fait différence, d'accord? Si moi actualiser, moi il pas faire aucune différence. Maintenant après, si c'était un comment tu dire ça? Si c'était un balise A qui voulait dire un lien, nous t'a stylisé là, il t'a fait différence. Parce que lien lui-même livré faut qu'on applique exactement sous lui, sinon il pas prendre. OK, la retirer sous TDO il pas faire différence. Voilà. Li gen un border de 1 pixel rouge, c'est ça fait border ça. Well, si m'pa mette border ça, pas t'après border yo parce que par défaut, OK, par défaut border yo pas paraître.
si me retirer border ça on va montrer ça me sauvegarder moi actualiser et nous on body aller c'est vrai body était collé mais yo aller ou pas même ou trace par défaut body pas paraître pour body paraître faut qu'on mette yon body sur lui là moi actualiser et yo retourner voilà c'est sous TDE pour appliquer pour dire body supposé coller c'est sous balise table là pour appliquer les pas sous TDE d'accord c'est sous balise table mais pour mettre couleur sous body c'est dans sous TDE pour appliquer ça fait là c'est TDE nous cibler là nous est ti aide sous ti aide ça veut dire balise qui est première ligne ça sous première ligne ça c'est ti aide là ça dit en tête tableau nous appliquer seulement deux propriétés yon body color yon background color de vert et puis yon couleur rouge c'est ça qui fait nous couleur texte en rouge et background nan, vert sous toutes tes body ça veut dire côté tableau nous appliquer un background de jaune et yon couleur noire c'est ça qui fait là nous gen background jaune couleur noire et sous ti foot ça veut dire pied tableau nous gen un background noir et yon couleur blanc c'est ça qui fait là nous gen background noir et couleur en blanc super bon c'est tout ça nous tapons sur tableau yo kounya qui te malé faire une différence entre pixel avec pourcentage pour nous. On tourne là en l'air. On va dans 10 conteneurs là. Li gagne un bord on va aller de 440 pixels. En nous a si nous ouvert page nous, nous elle vinn plus gros. Nous elle agel lieu. Et si kounya m'ta tenté, m'ta dit m'ka fermer page là, bon moi ouvert. Nous elle agel. Voilà l'agel que qui drogue. OK, voilà l'agel. Div conteneur noir c'est div qui gagne border gris pâle ça qui en bas ici là c'est pas div en blanc mais c'est div pâle ça ça qui pâle qui rivé tout en l'air là nous la gel c'est qu'on t'a réduit page là tout en m'a réduit n'a pourrait que la gel a réduit tout pour qui ça t'as comme t'ai expliqué déjà dans la première vidéo c'est parce que au bal la gel en pourcentage puisque au bal la gel en pourcentage tout en m'a réduit comme là li prend la gel par rapport avec la gel parent et mais tout temps après du c'est que la gel parent l'a réduit et mais lui même tout l'a réduit en pourcentage tout différent des pixels à nous aller là en nous ballon la gel en pixel en nous dit la gel 600 pixels comme la gel moins actualisé li bon la gel ça c'est 600 pixels OK 600 pixels en nous regarder qui ça va arriver. Là nous commencer réduire page noir. Nous va réduire largeur en pixel là était même bagaille. Nous est divlan. Largeur pas réduit non, c'est largeur border body et body à balise body en corps page là qui a réduit. Comme il y a espace blanc, espace vide sous côté, nous est largeur body a réduit mais div là qui c'est bloc ça qui c'est bloc qui en gris pâle ça là, nous elle pas réduit. N'a continue réduire et la voilà. Browser a fait même 600 pixels là, continuer et là nous est ça qui passé. N'a réduit ces bagailles qui cap caché, mais lui-même lui pas réduit. Nous est chose caché. Les vins ça y ont les y ont overflow. Et là c'est nous qui de là nous est avec bad scroll en bas si nous scroller nous car reste qui était caché yo. Mais au lieu pour lui réduire, lui pas réduit. Qui ça veut dire? Unité pixel c'est une unité en du. Ça veut dire soumettre y ont valeur pixel. C'est quantité pixels là la prend par rapport avec écran ordinateur là ou bien écran téléphone ou parce que l'écran on a gradué en pixels. Comme outil prend 600 pixels, lui choisit 600 pixels dans largeur écran. Donc 600 pixels pour lui c'est largeur ça. Donc même sous réduit le kounya la prêté à 600 pixels largeur écran, il pas réduit. Mais pourtant sous dit le pourcentage, lui a prend pourcentage là par rapport avec pourcentage écran. Si quand dans browser là dans écran li largeur ça et mais largeur ça dans browser là c'est 100% et bien la réduit la vinn plus petit si même retire pixel là comme nous qui t'en ouais là mettre 50% kounya 50% si me sauvegarder et m'actualiser n'a pas la vinn réduit en moitié voilà il vinn c'est moitié page là pour ça parce que nous dit c'est un pourcentage ça veut dire qui ça en pile fois li bon pour nous travailler en pourcentage li aide nous gérer en pile bagaille mais pourtant gien des bagaille n'a pas obligé mettre en du en pixel li pas bon pour nous mettre en pourcentage parce que sinon là nous réduit trop l'a gagner quelque chose qui nous pas vle qui gagner donc nous je mettre l'en du et n'a pas comment nous gérer question ça pour qui ça nous va dire mais si mettre en pixel l'aime réduit li pas réduit tout qui ça va passer mais nous pas comment nous gérer question ça pour nous capable dire li mais qui comportement pour gagner
sous écran ordinateur, mais qui comportement li gagne sous écran téléphone, mais qui comportement pour gagner sous écran tablette, tout ça yo. N'a pas pour gérer ça yo avec un bagay en CSS yo relé media query. Nous allons l'utiliser pour nous agir sur gros écran, nous allons dire mais qui comportement pour rien. N'a pas ça dans une prochaine vidéo. Pour ça, nous fermons partie CSS. Faut que moi dire tout grand pile bagay nous pas gagne en vrai, mais nous pensons nous allons apprendre au fur et à mesure que nous développons un projet, nous avons besoin de ça, nous allons connaître, nous allons chercher comment pour nous faire. Comme ça, nous allons toujours quitter un commentaire pour moi, nous allons aider nous. Et si nous faisons une recherche, tout font recherche pour nous comment nous faire. Nous allons camper là pour CSS. Nous allons entrer dans le projet site nous. Pas oublier. Et dans la prochaine vidéo, c'est site nous allons commencer. Pour me rappeler nous encore qui site nous allons développer, je vais parler rapide. C'est document laptop, c'est document laptop, picture et pizza. Là, c'est site ça, si design ça nous gagne là, c'est un site qui paraît même forme ça nous va gagner pour nous développer. Kembe là, n'apprenons l'autre vidéo pour nous commencer projet nous. En forme, kembe là.